Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais dans les tiroirs. C'est tout simplement la vidéo du game le plus dur que j'ai jamais eu à faire avec un vis-à-vis direct à 99 overall. Match à suspense, match bien tendu. Donc je vous laisse regarder ça. Mais en attendant, je vous partage les quelques petites news qui sont sorties récemment. Touquet, comme à son habitude, a teasé sur Twitter et autres réseaux sociaux qu'ils allaient être présents à une petite convention. Donc j'étais assez hypé et tout, et en fait au final, à cette convention, il n'y a rien eu de bien particulier, mis à part l'annonce de la bande-son, où nous allons retrouver des artistes comme Drake, Post Malone, Lil Wayne, Travis Scott, Nipsey, T-Pain, ou encore Motley Crue, Travis Barker, Ariana Grande, Katy Perry, etc. etc. Il y a vraiment pour tous les goûts, et 2K a d'ores et déjà annoncé qu'il mettrait des titres tout au long de l'année 2K20. Ils ont aussi dévoilé des marques qui seraient présentes dans le jeu, donc on retrouvera des marques comme Union, Staple, Sprayground, Just Done, etc. etc. Donc pareil, hein, toutes ces listes, vous les retrouvez donc pour les chansons sur Spotify déjà disponibles, et pour les marques, vous avez ça sur le site, sur Twitter, etc. Aussi, mais ce coup-ci non officiel, après c'est de la déduction simple, facile, qui peut être précise à 100% ou très proche des 100%, il y a eu aussi un screen qui a circulé où vous voyez Anthony Davis activer son takeover et on constate qu'il a le takeover de gardien du panier et de marqueur au poste. Donc ça sous-entend qu'il y aurait encore double archétype au minimum et par la même occasion du coup double takeover donc que nous aurons sous les pieds comme le fameux grand badge qu'il y avait sur les anciens 2K. Voilà, du coup j'en profite aussi, vu qu'on est sur de la vidéo un peu chill, pour vous encourager, si jamais c'est pas le cas, à regarder les anciennes vidéos que vous n'auriez peut-être pas vues. Et comme d'hab, lâchez des likes pour le soutien, partagez ça autour de vous. J'espère que l'opus 2K20 sera un bon opus, ce qui permettra de partager énormément de choses avec vous tous. Et pour finir, du coup j'en profite pour vous remercier vraiment tous, chacun, pour votre fidélité, les likes que vous laissez, les petits messages de soutien, les coms, etc. Quand on est extérieur à YouTube, c'est peut-être pas grand-chose, on n'y pense pas forcément, mais vraiment avoir du soutien, des coms, etc., des bons retours, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, sur ce les gars, on se retrouve très vite, puisque prochainement il y aura de nouveau une vidéo NBA, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et à côté de ça, bien sûr, une vidéo, entre guillemets, bilan de toutes les news NBA 2K20 qui sont officialisées d'une part, et les choses non officielles mais qu'on peut déduire d'une autre part. Voilà, à plus, ciao ciao.